Et coucou YouTube pour cette deuxième partie de Slime Rancher. Du coup, on a fait un tout petit peu de sous pendant la pause entre deux. Tout petit peu. Et maintenant, on doit s'occuper de nos petits slimes baudrois. On va les installer où? J'ai pas mis le chat de Twitch sur les VOD parce que j'avais pas envie de faire un... un overlay exprès avec le jour en plus petit. Oh, nos fruits poussent, nos carottes elles poussent. Les baudrois, on va les mettre ici. Ils aiment manger de la viande, ce qui est un petit peu relou. Du coup, ce qu'on va faire... eux, ils mangent des légumes. C'est soit on va les... mixer avec un truc qui mange des légumes ou des fruits. Ouais, les poules, c'est la viande du jeu. On va les mixer avec un truc qui mange des fruits et légumes pour que ce soit moins chiant. Soit faut vraiment qu'on fasse notre élevage de poules. Combien ça coûterait de faire notre élevage de poules? Qu'on fasse un silo aussi. Donc là, on a déjà plus tellement de place hein, pour faire des enclos. Ok, faudra qu'on ramène un mâle et une femelle pour poule. Va falloir qu'on commence déjà à faire des mix de slime. Parce que là, le problème, vous voyez, c'est que ça commence un peu à être un peu plus embêtant. Avec quoi on va les mixer? Telle est la grande question. Les petits slime roses, ils sont pratiques, mais ça fait des slimes... enfin, ça fait des slimes tout roses. J'ai pas envie d'avoir des slimes tout roses. Qui gratouille. Pas possible cette histoire. Faut qu'on voit pour nos outils aussi. Ça, ça se reproduit dans tous les sens. Ah! Une poupoule! Ma poupoule! Il a mangé ma poupoule! Coucou Chine! Mais faut arrêter de manger mes poupoules et mes poulets, les enfants! Oh! On l'avait pas vu celui-là l'autre fois! Attendez, on est où? On est là? Est-ce qu'on peut mettre un... non, on peut pas. Ici, il faut qu'on se souvienne, il y en a un à nourrir avec des légumes. Comment tu vas, Chine?
les lapinous, ils adorent le chou aquatique, apparemment. Ça va, ça va. Là, il y a des carottes, on va prendre les carottes. Ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver assez de légumes pour nous nourrir là en une fois, mais... Mais on va essayer, hein. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des trucs, c'est que là, vous voyez d'en bas, je vois ses oreilles d'en bas, je me rends compte qu'il y en a un. Salut, Brognark. Allons à la chasse aux légumes, messieurs, dames. Là, il y a encore des carottes, parfait. Comment vas-tu, Brognark? Du coup, Chim, ça va, encore malade, mais c'est sur la voie de la guérison, doucement, mais sûrement. Par là-bas. Oh là là, regarde-moi ces grandes oreilles, comment on peut ne pas les voir? T'as encore faim? Mais t'es un puissant fond, toi, t'es pas un slime. Carottes, elles sont en train de pousser les carottes qu'on croise pour le moment. Coucou Mounsi. Je viens de voir qu'il apparaît sur la map, c'est bien ça. Oh puis la poupoule, moi je veux les choux pour nourrir le gros bibi là-haut. Ça va et toi petit Mounsi? Petit Mounsi qui joue aux Sims. Il y a un terrier de petits lapinous. Ah ah! Et là, on regarde là-bas. Du taf. Ah, du coup, c'était pas toi qui jouais aux Sims. Du coup, j'ai mpé quelqu'un qui n'était pas toi. C'était madame. Voilà, parce que moi, je t'envoyais un MP en mode ah, les Sims 4, dis donc. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Et du coup, on a accès à ici maintenant aussi. Oh, oh c'est beau!
J'aime bien la musique aussi ici. Les vagues prismatiques semblent affecter chaque recoin de l'île différemment. Parfois on croise un spectre de couleurs tout entier et d'autres endroits, ils alternent ou se divisent. Et elles évoluent activement, parfois rapidement et continuellement, parfois plus lentement. Lors de ma première année sur l'île, chaque saison me paraissait différente. C'était plaisant, même si tout a une fin. C'est vachement joli ici. Oh, y a les rocheux! Vous savez quoi, les rocheux, ce serait parfait. Oh, mais je suis bête. Les rocheux, j'allais dire, ce serait parfait avec les autres slimes qu'on a. Ouais, on va faire ça, on va mélanger les petits avec des rocheux. Ah, mais Slime Rancher, le 1, je l'avais déjà trouvé magnifique. Le 2, je le trouve aussi très très cool. Pour le moment, on est pourtant qu'à une demi-heure de découverte du jeu, hein, mais... Mais je le trouve déjà tellement plaisant, tellement agréable. Oh, il y a les miels! Oui, j'ai dormi cette nuit. Après ma nuit blanche, j'ai fait une nuit de 8 heures de dodo en deux parties. Je vais mettre dans le changeur pour améliorer le... Oh, ça c'est cool. On va avoir une place de plus. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Merci beaucoup, Père la Galère, pour le raid. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on rentrerait pas à commencer à faire de la reproduction? On va faire ça. On va faire de la repro. Je sais plus par où on rentre à la maison, à gauche. Salut Sonia! Ok, je te remercie pour le message. Comment tu vas Sonia? Ah, il était sur Cult of the Lamb, quel bon jeu ça aussi. J'ai adoré le faire, le Cult of the Lamb. Oh non, mais j'en ai pas là, du truc de Potichat. Des portes comme ça, il y en a à plein d'endroits. Va falloir qu'on les trouve parce que vous avez vu, ça nous fait des trucs intéressants. Bah ça va, le rhume se guérit doucement. Allez hop, retour à la serre les enfants. Retour à la serre, on va faire un peu de repro, on va les nourrir un peu. En gros, nos rigolos là qui mangent que de la viande, on va les reproduire avec les petits rocheux, comme ça ils vont manger viande et légumes.
ce sera plus facile à nourrir. Alors vous allez voir comment on va faire ça. Il y a là les carottes, on va les ramasser. Et du coup là on a un qui est des deux, vous voyez. On va lui donner une carotte. Du coup il va faire un petit plant de chaque. Manger ta carotte, toi. Merci beaucoup pour le follow, Maizewen. Qu'est-ce que c'est que cette blague, monsieur Loïc? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague, voyons? On a encore un petit pleur de... Oui. Vous voyez, le but, c'est qu'ils se transforment tous en comme ça. En baudroie rocheux. Comme ça, à chaque fois, ça nous fera deux types de petits caca. Je viens de te réveiller et tu es transféré ici, Maë. Bah, bienvenue, réveille-toi en douceur. C'est le jeu parfait pour ça. Comment ça va, du coup, monsieur Loïc? Hop. Oh, 49. Où est des sauts? Alors, à eux, on va rajouter... Mangeoire automatique. Il faudra qu'on vienne rajouter des légumes. Faut que je fasse mon... Ah, eux, ils mangent que des légumes, mais ça y est, on en a plus. Je pense qu'on va faire des... On va faire des comme ça, là. On va mélanger, là, les deux, là. Les lapinous et les roses. Mais ils sautent partout! Thank you.
Voilà. On mélange les deux comme ça. Ils vont manger et des fruits et des légumes. Eux, ce sera mon chien à gérer. Bon, on en a trop, donc il y a quelques lapins, on va devoir les balancer dans la mer. Pardon, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Hein. On est d'accord, vous avez rien vu. Hein. Sont peut-être un peu trop nombreux ceux-là, peut-être. Alors attendez, parce que normalement on a un truc qui a été rajouté à la forge. Ah, le forgeur. Donc là il nous faudra des sous pour ça. Moissonneur ajoute un résonateur au mécanisme de survie de votre avenir qui débloque des ressources scientifiques de nos alentours. Ok. Ça, c'est pour la vie. C'est ça qu'on a chopé, non? Je sais plus. Oui, un doigt jeu, il est sorti hier. Bon, je confirme, il y en a trop, faut qu'on en enlève un peu, sinon ça va être le bordel, ils vont tous barrer. Des nouveaux slimes, de nouveaux environnements, de nouvelles énigmes. Parce que s'il y en a trop, ils vont foutre le bordel, ils vont sauter dans tous les sens, ils vont s'en aller. Les mécaniques de base sont les mêmes. Après, il faut voir s'ils ont rajouté de nouveaux outils. Peut-être, ça va falloir voir en découvrant. C'est un peu mieux là déjà. Ça va déjà être beaucoup plus gérable. Bah oui, mais il nous faut des sous. Les sous, c'est le nerf de la guerre. Alors, eux, ils sont dans quel état, eux? Eux, ça va pour le moment. J'en ai peut-être qu'on a encore faim. Dans tout ce bordel, hein. Faut vraiment qu'on rajoute le ramasseur de plortes avec eux.
On va voir si on va avoir assez de sous pour le faire. Ouais, on va avoir assez. C'est trop bien. Et voilà. Ok, maintenant on va. Oh, ça c'est notre futur enclos à poules, ça. J'ai déjà quasi plus de place pour les enclos à slime. Non. 1800 cette parcelle là où ça. Il est tombé. Ça coûte combien? 1800 aussi. Ah non, me dis pas ça coûte 1800 de partout, hein. Parce que moi, il va me falloir de la place, là. Mille huit. Ça coûte 1800 de partout. Il va nous falloir des sous, les gens. Beaucoup, beaucoup de sous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Est-ce que je fais pousser mes choux? On va quand même faire pousser les choux, hein, parce que ce serait bien de faire pousser ces choux. Allez, moi je me sauve. Ah, on a un appel, attendez. Alors comme ça, Béatrix Lebeau est partie vivre une nouvelle aventure et n'a même pas pensé à emmener sa pote et parfois rivale ainsi que mentor éternel Mochi Miles. Moi les mochis, je préfère les manger. Sérieux Béa, la prochaine fois que tu bouges vers des territoires dangereux et inexplorés, tu pourrais au moins me prévenir. J'aimerais être là au cas où tu aurais besoin de moi. Pour ramasser toutes les précieuses ressources qui semblent disséminées partout dans l'île. Ah bah super. Quoi? Tu me connais quand même, évidemment que j'ai fouiné, les satellites de surveillance sont là pour ça. Enfin bref, fais gaffe à toi. L'île me paraissait bizarre, donc je continue à fouiller. Oh, et comme je sais que tu pars de rien, prends ce lien de raffinerie, il devrait te faciliter la vie, je vais le mettre sur ton ardoise. Allez, à plus dans le bus. Ok. Est-ce qu'on a refait des petits plourtes? Un check. On va aller voir à la forge vite fait. Faut qu'on commence à voir ce qu'il va nous falloir pour crafter des trucs. Lui, il faut des plantes de coton. Ok, là, il faut des plantes roses, des plantes de coton, des plantes de doom, des phosphorescents et des minerais. Et ben, c'est parti, on va commencer à stacker. Il me semble qu'avec ça, du coup, ouais, c'est ça, ça les compte et on peut s'en servir. Mais non, elle est pas interdite, l'expression à plus dans le bus, oh, et... Bon, là, on a une petite femelle en poule, il nous faudrait un petit coq. Si on voit un coq, faites-moi penser à la récupérer. Il me faut des sous. Mais oui, mais les plantes roses, ça fait pas des sous, Maro. Oui, je sais, mais il me faut des sous.
on va vite fait faire une petite... Mais... On va vite fait faire une mini-session Plurt Rose là, et après on explore. Allez. Mais d'ailleurs, faut pas que je les vende, j'en ai besoin pour crafter. Oh. Elle est où la raffinerie qui est pas loin d'ici d'ailleurs déjà? Là-bas. Ok. Oh, il y a du coq! Vous savez quoi, on va déjà rentrer avec ça, comme ça on va caler nos poupoules et nos coques. On va voir pour me mettre pile poil le nombre de plurts qu'il faut pour les deux crafts là. Et le reste on vend. Attendez, ça fait déjà une demi-heure qu'on a relancé. Ça passe trop vite. Pas possible que ça fasse déjà une demi-heure. Les cococs. On a 10 cotons. Dix rose là normalement. On pourra faire ça, ça. Là aussi je fais du coton. Mais on va les vendre parce qu'il nous faut quand même un peu des sous. Non, attendez, on va faire le truc pour que les poupoulets s'enfuient pas. Voilà! Parce que j'ai pas très envie que les poupoulets s'enfuient, hein, perso. Je sais pas vous, mais moi, les poupoules qui s'enfuient, c'est pas mon dada. Est-ce qu'on a assez de sous pour améliorer un truc? Non, ça coûte niveau sous-sous que ça coûte. Les carottes, c'est pas encore prêt, ça non plus. Les choux, je suppose que ça l'est pas encore non plus. Vu qu'il fait nuit, moi je vous propose de faire un petit dodo jusqu'au lendemain matin. De regarder nos fruits et légumes. Elle a l'air toute mime, sa maison. On va nourrir un peu tout ce petit monde.
doivent avoir faim. Alors, vous avez vu tous les petits poussins? Oh, ils sont venus manger des poules. Ils ont mangé des poules, sinon il n'y aurait pas des trucs comme ça qui traînent. Ils mangent de tout. On va vendre des bisous Chine. Le petit Kev. On vend un max, on re-ramasse, on forge. Comment ça va? Attendez, il y en a eu des nouveaux. Yes. Putain, on en a un trop dessus là. J'y crois pas. Ah putain, il y en a, ils ont encore faim. Il y en a trop. Il y en a trop, c'est pas possible. Ok, niveau sousoux, on est plutôt pas mal du tout. Bon, dodo Mounsi, à tout à l'heure. Hop. Ça va, Pikachu, je te remercie. Hop. Ok, maintenant qu'on a fait ça, première étape, eux, les empêcher de se barrer pour aller manger les poules. Deuxième étape, le collecteur. Là, il nous reste 500. On va aller se forger un truc au forgeur pour enlever le tuto, là, parce que le tuto, ça y est, il m'agace. Ça y est. Donc on regarde un truc, mais normalement, je dois avoir une place de plus. Ça doit contenir 30 unités au lieu de 20. Ajoute un réservoir. Voilà ça. Ah, mais il faut du sable. On n'a pas encore trouvé le sable. Remarque, pour moi, on ne pouvait pas collecter la source aussi, donc c'est normal. Ils mangent de la viande et des légumes. Ouais. Donnez un fruit. Alors, ce qu'on va faire, messieurs, dames, c'est que on va couper cette deuxième vidéo YouTube là pour le moment. Comme ça, on va en profiter pour faire une petite pause sur le stream. Je vais aller me faire un café. Donc, YouTube, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour la partie 3 de Slime Rancher 2. Du coup.